Certains les connaissent bien, d'autres les découvrent. Les jardins partagés de la Verrière font partie des 1035 hectares cultivés de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce samedi, l'agglomération et l'association Terre et Cité ont emmené les acteurs locaux et associatifs dans plusieurs lieux de culture afin d'illustrer le potentiel agricole du territoire et ses bénéfices pour les habitants. Il y a une multitude d'associations qui font ce travail sur l'agriculture urbaine avec des petits bacs, des petits potagers, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de sensibiliser les populations à une alimentation de meilleure qualité et locale. Et ensuite, petit à petit, les habitants en viennent à consommer des produits locaux, là, produits à plus grande échelle sur les exploitations du territoire. Des données établies à la suite d'une étude menée entre 2014 et 2015 conjointement par l'agglomération et l'association, à la veille de l'agrandissement du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, une réalité qui doit être prise en compte. On s'est aussi rendu compte que les exploitants étaient prêts à aller vers des diversifications, alors peut-être pas leur génération, mais la génération suivante, à condition que la fonctionnalité des exploitations agricoles soit préservée, voire peut-être même améliorée. Au 1er janvier 2016, les surfaces agricoles vont doubler et dépasser les 2400 hectares. Enfin, d'ici 2022, il faudra définir un projet pour la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay. Elle comprend une partie de la commune de Guyancourt.